C'est en 1989, dans le petit village de Saint-Martin-de-Bocherville et dans l'abbaye Saint-Georges, que le top modèle français Estelle Lefébure épouse le fils unique de Johnny Hallyday et Sylvie Vartan. David. Le couple donne naissance à deux filles, Ilona et Emma, en 1995 et 1997. Ils se séparent finalement presque sans bruit, 12 ans après leur union. Depuis, Estelle Lefébure a refait sa vie. Elle a eu un adorable petit garçon prénommé Giuliano, né de sa relation avec Pascal Ramette. Tandis que David, marié à Alexandra Pastor, a également eu un fils prénommé Cameron. Un garçon né en 2004. Un enfant que l'on aperçoit de temps en temps sur le compte Instagram de ses sœurs aînées. Au moment de leur mariage, Sylvie Vartan avait évoqué leur relation de manière très élogieuse. Ils se ressemblent, vous ne trouvez pas? Ils ont en commun la même sensibilité, la même simplicité, la même discrétion. On les croirait frères et sœurs, avait-elle expliqué dans Paris Match. Voilà peut-être le secret de cette séparation réussie. Car si certains ex se déclarent une guerre sans merci, ce n'est pas le cas d'Estelle et David, qui ont toujours su gérer leur séparation en bonne intelligence pour le bien de leur fille. Ils ont même su conserver des liens d'amitié et de tendresse. Alors rien d'étonnant en ce 14 août de voir apparaître sur le compte Instagram d'Estelle Lefébure un message à l'attention de son ancien compagnon qui fêtait son 55e anniversaire. En photo, on peut retrouver David et leurs deux têtes blondes petites et la mention « Joyeux anniversaire au meilleur des papas » dans la langue de Shakespeare. Un message fièrement reposté par David Hallyday dans sa propre story avec en réponse des émojis baisers. Et un grand merci. Une séparation 100% réussie.